Le passé n'est pas passé, il n'est même pas mort, il n'est même jamais mort. De le penser à comme un truc du débordement en fait. Je trouvais qu'on avait pas mal tendance dans les tout débuts quand par exemple on a commencé à monter des collectifs contre le projet Léon autour de la biomasse et de la question de la forêt en général dans les Cévennes. Les gens prenaient en fait la forêt comme une espèce d'entité soit économique, soit culturelle. Et évidemment, c'est l'un et l'autre. Mais j'ai l'impression que si on voulait faire de la forêt un objet politique, il fallait le prendre d'une autre manière, quoi. Une manière plutôt sensible ou peut-être historique. Ça veut dire le froid. Il fallait un peu bouger, mais c'est sympa là, la neige. Ouais, c'est beau. Tu sais que tu passes en bas, il n'y avait rien, et tout d'un coup, bim. Mais à le regarder de près, ces murs en pierre sèche n'ont rien d'une infrastructure. Elles n'aplanissent pas le territoire, elles ne relient pas des points éloignés dans le but de la circulation des richesses, elles surgissent du sol et des usages paysans. Elles en sont l'expression bâtie. Non pas implantées depuis un calcul préétabli, mais tissées quotidiennement à même la montagne. Elles en constituent une texture de subsistance, chaque ensemble de terrasses étant singulier et pensé pour les besoins de la maison, du hameau ou du village. Il faut savoir que les pierres venaient de l'épierrement des champs ou de petites carrières communales ou directement du décaissement des futurs lieux de culture de céréales ou de légumineuses, orges, avoine, seigle, épeautre, millet, blé meunier, pois chiche, mais aussi d'arboriculture, vignes, châtaigniers, mûriers. Les terrasses étaient donc pensées selon les pierres disponibles et leur qualité, en fonction du dénivelé, des usages futurs, avec des escaliers ou des rampes, proches d'une source, d'un bassin, et parfois d'un système parallèle de petites retenues d'eau, les tankats, ou de déviation des écoulements trop importants, les trinkats. Chaque mur était bâti selon une technique propre. Le but de l'ouvrage étant de porter une attention maximale à la friction entre les pierres, seule garante de la consistance de l'ensemble. Comme si les couches géologiques étaient là, retissées par le geste du paysan bâtisseur. C'est magnifique, hein ? On a vu, bien carré. Voilà, on voit les éoliennes là, du Mer des Loups. Là, ça pullule, hein. Ils en ont rajouté en plus. Hein. Il y avait un chantier qui s'est fini là à l'automne. Et pour l'anecdote, là il y avait un mât de mesure. Je sais pas si on le voit là avec le temps. Du coup, il a été saboté, il est tombé. Évidemment, quelques semaines après, l'entreprise a remis le mât de mesure. Pour mesurer le vent avant l'installation de tout d'un chantier éolien, il faut qu'ils mesurent en fait le potentiel éolien, comme ils disent. Du coup, à chaque fois que tu vois dans le paysage, sur les crêtes, une espèce d'antenne comme ça, et ben en fait c'est un mât de mesure. Et quand tu t'approches, tu vois en effet qu'il y a des petites hélices qui tournent sans cesse et qui, j'imagine, prennent, comme son nom l'indique, les mesures. Mesure du vent. Et donc, ça arrivait fréquemment que tous ces mâts de mesure, là, ils se fassent. Ils tombent, en fait. Pour tout un tas de raisons, mais il y a encore une valeur très positive à ce genre d'énergie, soi-disant alternative, qui apporterait le salut. Mais c'est ça, en fait, parce que dans une époque où il n'y a plus d'espoir, pour plein de gens, l'éolien ou le solaire, ou en tout cas de manière générale la transition énergétique, c'est vraiment la dernière solution quoi, pour sauver l'humanité.
D'autant plus que c'est ce que le gouvernement prêche de manière quotidienne. Là, tu vois, là, il y en a aussi, là. Y en a, toutes les crêtes, là, elles sont remplies. Et elles tournent pas, en plus, là. Bah, c'est dans leur calcul, s'il y a trop de vent ou pas assez de vent. Ils les arrêtent, quoi, parce que... Le problème avec les énergies intermittentes, comme ils disent, l'éolien ou le solaire, c'est que c'est des énergies de flux, quoi. C'est pas des énergies de stock. Donc en fait, s'il y a trop d'énergie à un moment donné qui est balancée dans le réseau, ça perturbe l'équilibre général du réseau énergétique. Donc ils les coupent, ils les arrêtent à distance, ils les bloquent. Donc elles arrêtent de produire. Et quand ils voient qu'il y a de nouveau une demande, hop, ils les rallument. Après, ça dépend aussi s'il y a trop de vent, il y a des dangers mécaniques pour le moteur, donc ils les immobilisent aussi. En cas de gel, enfin, il y a plein de paramètres qui font que, en fait, souvent, tu les vois, elles ne tournent pas, quoi. Ce qui est complètement absurde, on dirait que... Comme si le temps s'était arrêté, quoi. Quand tu les regardes de loin comme ça, pendant un petit moment, tu te dis, mais quoi? Tu sais, à quoi ça sert en fait? Tu sais, c'est un peu comme dans certains films post-apocalyptiques, tu te demandes, ouais, il y a une catastrophe, mais tu sais pas laquelle. Tu sais pas si c'est une friche industrielle ou si c'est encore en activité. Ça se trouve, on est les derniers hommes, là. Quand on va retourner à la voiture. Plus de radio, plus rien, plus de téléphone. Plus d'élec. Pour revenir à ce problème de mobilisation, si on peut parler en termes militants comme ça, c'est que... Les chantiers, ils sont dispatchés à plein d'endroits. C'est hyper difficile de bloquer un endroit, en fait. Le mieux, en fait, ça serait de bloquer les camions qui transportent les machines avant même qu'elles soient installées, parce que ça, au moins, on sait où ils passent. Et ils doivent tout le temps passer par les mêmes routes avant même qu'ils installent tout le parc éolien. Une fois qu'elles sont là, c'est hyper compliqué de faire quelque chose. Il faudrait prendre l'infrastructure en amont, en fait. Ben, ça s'est fait, hein. Nous, on les avait bloqués une matinée. Et le chauffeur, c'était un Espagnol. Donc ça veut dire que l'entreprise, qui est allemande ou suédoise, qui construit les éoliennes, fait appel à des sous-traitants pour le transport, fait appel à encore d'autres sous-traitants pour l'installation. Et ceux qui chapeautent l'ensemble du réseau, ben c'est RTE par exemple, c'est Réseau Transport Électricité, une filiale d'EDF. Donc en fait, on a découvert que derrière un simple champ, enfin un simple champ, c'est jamais simple, mais derrière une machine qui paraît aussi anodine qu'une éolienne, ben se cachait tout un maillage d'infrastructures complètement hallucinant, quoi. Et elles étaient acheminées depuis le port de Sète. Et donc je ne sais pas où elles ont été construites, mais ça veut dire qu'elles sont venues en bateau, transposées dans le port de Sète, mises sur des camions pour enfin arriver là sur les crêtes, quoi. Mais RTE, c'est le gestionnaire du réseau électrique au niveau national. Donc en fait, c'est eux qui gèrent après le raccordement de ces parcs au réseau électrique. Parce qu'un parc tout seul ne produit rien, il faut qu'il soit raccordé, quoi. Donc les câbles sont enterrés, ils courent jusqu'au premier transformateur, qui lui-même est raccordé à un moyen transformateur, qui lui-même est raccordé à un plus gros transformateur,
qui lui envoie toute cette électricité sur les lignes à très haute tension, quoi, qui après iront irriguer les métropoles, que ce soit Montpellier, Toulouse ou même plus loin. On a découvert que cette électricité-là, elle pourrait aller jusqu'au Maroc ou même encore plus loin, quoi. C'est comme des autoroutes, en fait. D'ailleurs, ils s'en vantent, ils disent « Ah, nous, on construit des autoroutes de l'électricité. » Donc voilà. C'est obligé, c'est des nœuds, des petites routes qui rejoignent des moyennes, puis qui rejoignent des très grosses routes. Et c'est ça qui crée le maillage, en fait. Ils ont besoin de monter le voltage en très haute tension pour pouvoir, en fait, acheminer cette électricité produite sur les territoires et de l'emmener sur des milliers de kilomètres. Et avec les déperditions qu'il y a sur les lignes, en fait, il faut les booster, quoi. C'est un peu comme des canalisations d'eau, quoi. Il faut prévoir plus large pour qu'au moins ça puisse intégrer les flux quotidiens, quoi. Le problème, c'est que voilà, les éoliennes, c'est pas juste un objet technologique, quoi. Ça fait partie d'un monde. Tout ce truc de la transition, ça fait partie de ça, quoi. Les smart grids, etc. C'est comment tenir encore les populations sous contrôle à travers cette idée de l'énergie, en fait. Parce que depuis le 19e siècle, c'est évident que l'énergie est une question politique. On faisait pas la science du travail, par exemple, elle est née avec les machines à vapeur. C'est une façon de mettre au travail le corps des ouvriers, mais aussi d'établir toute une espèce d'affect thermodynamique, c'est-à-dire un tempérament qui est plutôt tourné vers l'économie, la restriction, le calcul des forces, la gestion en temps réel de l'énergie qui rentre, de l'énergie qui sort. Donc finalement, l'idée du corps-machine, elle est née avec cette révolution qu'on dit industrielle autour des machines à vapeur. Et aujourd'hui, moi, ça me semble évident que ce qu'ils appellent la révolution des smart, tout ce qui est objets connectés, big data, eh bien, elle révèle aussi de cette nouvelle mise aux normes et au travail économique des corps, en fait. Simplement, au lieu de passer par des machines qui étaient très, comment dire, qui avaient encore une espèce de forme gigantesque, avec une esthétique métallique, on va dire, très importante. Pensez, je sais pas, des images du film de Fritz Lang, Metropolis, ou... Le monde moderne de Charlie Chaplin, la machine, c'est une espèce de grand monstre métallique qui avale les hommes. Et aujourd'hui, on est en face d'une éolienne, est-ce que c'est un grand monstre métallique? Oui. Mais il y a du design avec, c'est lisse, c'est blanc, c'est spatial, c'est aéronautique en fait. Et comme on dit, c'est smooth, c'est lisse, ça fait pas de bruit, enfin, de loin en tout cas, ça fait pas de bruit. Quand on est tout près, c'est une autre histoire, mais... Et du coup, j'ai l'impression que cette question politique autour de l'énergie, elle prend une nouvelle tournure, quoi, avec cette idéologie du smart. Et on demande aux gens de devenir smart, eux-mêmes doivent devenir smart. Leurs comportements doivent être smart. Parce que, justement, ça rend compte d'un... Une fluidité généralisée, quoi. Une fluidité des affects comme une fluidité économique finalement. Thank you.
fait, tu retrouves l'extractivisme le plus crasse et le plus dégueulasse qui n'a jamais finalement cessé de hanter le capitalisme. Comment, par exemple, en Angleterre, la révolution industrielle a été possible, c'est non seulement avec la mise sous contrôle et la mise au travail des corps, mais aussi parce que ils avaient ce qu'on appelait, ce que certains anthropologues ont appelé les hectares fantômes. Donc en fait, c'était toutes les surfaces des colonies, donc non seulement pour la main d'œuvre esclave, mais pour le coton et quantité énorme de matières premières qui venaient des colonies, qui venaient des empires, quoi. Et donc le décollement économique de certains États à l'époque moderne, elle est liée finalement, intrinsèquement même, à des formes de colonisation qui sont jamais visibles. Et aujourd'hui c'est pareil, si tu regardes une éolienne, en fait, à l'intérieur, c'est quoi? C'est du cuivre, c'est des métaux rares, c'est des éléments qui viennent des quatre coins de la planète, c'est des tonnes de béton, des tonnes d'acier. Et en même temps, tout ça est invisible. Tu vois plus les fils, tu sais pas trop comment l'énergie elle est transportée. Et voilà, nous, ce qu'on a essayé de mettre en lumière, c'est qu'en fait, toute cette technologie soi-disant smart, ben, elle est reliée à finalement un monde qui est un monde extractiviste, qui continue à être un monde extractiviste. Donc finalement c'est la perpétuation continuée de l'accumulation primitive du capital, ou dont les ressorts sont toujours aussi finalement cachés qu'au 19e, quoi. Donc tu vois bien qu'un agriculteur là, qui galère au niveau économique, s'il voit une rentrée d'argent, je sais pas, c'est équivalent peut-être de 2000 euros par mois par éolienne, quoi, hein, pour avoir le droit pour l'entreprise de mettre son dispositif sur les terres agricoles, par exemple. Après, ce qui se passe, et nous, là, concrètement, avec le transformateur à Saint-Victor, c'est que là, pour le coup, ça sera réellement une expropriation, si le projet se fait. Parce que là, les gens ont refusé l'argent. Ils ont refusé les compensations. Donc, si c'est déclaré un projet d'intérêt public, forcément RTE expropriera les agriculteurs qui sont propriétaires. C'était spontané, directement les agriculteurs ont dit, la famille en tout cas, qui cultive les terres là-haut, et tous dans la famille ont dit non, il n'y a pas moyen, on vous vendra pas nos terres, quoi.
Donc ça, en fait, ça a été une chance énorme pour nous parce que du coup, les gens, il y avait une volonté de résister à ce projet, quoi. La Massade a été créée parce que Victor, qui est le jeune agriculteur qui cultive là, a dit non, mais moi, il n'y a pas moyen, il faut qu'on fasse quelque chose sur ces terres-là, quoi. Quelque chose qui soit bien mieux qu'un transformateur. En fait, la lutte, elle est née à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les techniques qu'utilise RTE, finalement, on peut les voir comme des techniques de colonisation, c'est évident. Et c'est devenu une colonisation intérieure. C'est plus les hectares fantômes des colonies loin des métropoles impériales, c'est ici et maintenant, quoi. C'est dans le lieu même où tu habites. C'est ça que je trouve qui est assez intéressant. Parce que finalement, voilà, il n'y a plus d'échappatoire, quoi. Il n'y a plus de zone où, en tout cas en France, tu pourrais paisiblement vivre ta vie et que rien ne se passe dans une espèce de paix perpétuelle. Partout, en fait, des projets vont être mis en place qui feront que c'est obligé qu'il y aura des résistances, quoi. On utilise ce potentiel là de territoire à faible densité de population. En fait, il y a tellement de dispositifs déjà qui sont ancrés. Tout à l'heure, on parlait de Roquefort, qui est le monopole local de la production de fromage à travers les l'élevage de brebis, etc. Il y a le parc régional des Grands Causses, dont le directeur Alain Fauconnier, qui est aussi maire de Sainte-Afrique et qui est sénateur, et qui est complètement pour la transition énergétique, les éoliennes, etc. C'est déjà finalement le premier dispositif en place qui fait que les entrepreneurs qui veulent démarcher ici pour implanter des parcs éoliens sont en confiance, quoi. Ils savent qu'il y a un terrain favorable. Du coup, c'est une zone qui est gérée de loin, on va dire, mais qui est gérée d'une main tout aussi ferme, quoi. Des physiocrates du 18e siècle. Comment laisser faire les circulations tout en les contrôlant? Comment trier le bon grain de livrée? Comment faire en sorte que ça aille perpétuellement d'un point à l'autre, mais d'une manière telle que les dangers inhérents à cette circulation en soient annulés, comme dirait Foucault. Mais c'est tout aussi bien ce que se demande n'importe quel ingénieur aujourd'hui pour gérer un réseau électrique. Comment les flux d'électricité circulent? Comment éviter le blackout, la panne systémique? Comment calculer un prix pour le consommateur? Comment faire circuler ensemble bits et watts sans qu'il y ait d'effet de saturation? Cela n'est pensé que dans la mesure où toute cette circulation d'informations et d'énergie se trouve articulée à un mode de gouvernement. Mais plus encore, où elle devient ce gouvernement lui-même. En même temps que l'administration des hommes et des choses se trame d'infrastructures, de standardisation, de mesures, bref, de zones technologiques impériales, elle implique aussi une immense reconfiguration des existences et des manières de percevoir le monde. La propagande quotidienne n'insisterait pas si massivement sur la révolution des smart grids sans espérer par là révolutionner. C'est-à-dire gouverner tout un ethos smart, toute une gamme de manières de faire et de penser la vie compatible avec ce système en panne de légitimité. Or, c'est bien de là, depuis le cœur de cette volonté d'harmonisation de ce qui ne peut plus l'être, que du conflit politique peut ressurgir. Et qui sait quelle figure ingouvernable pourrait bien venir, à l'occasion de quelques chantiers ou quelques émeutes, faire éclater le fantasme lisse et homogène de ce monde. Merci.
au désastre absolu de cette civilisation. La seule porte de sortie institutionnelle que présente le gouvernement, c'est ça, c'est la troisième révolution industrielle. Du coup, évidemment, c'est un profilage des imaginaires, quoi, c'est un récit. Mais concrètement, c'est aussi une mobilisation économique et infrastructurelle, quoi. Donc en effet, je pense que au-delà de la mise en branle de cet imaginaire-là, qui est forcément un imaginaire ennemi, ben, en effet, il y a des infrastructures qui se mettent en place. Il y a des gens qui réfléchissent à comment faire perdurer l'économie sous cette nouvelle forme-là, quoi. Je ne sais pas si c'est une révolution ou quoi, mais en tout cas, c'est sûr. C'est une forme à nouveau agressive d'économie, quoi. D'économie qui va être appliquée à tout. Voilà, on est plus protégé par la forêt avec le vent là. Tellement de vent, ça se trouve. Pic, pic, pic. Saturation, saturation. Tu t'arrêtes là? Ouais. Bon, on va se réchauffer un peu. Ouais. C'était des gens qui fuyaient soit individuellement, soit collectivement, et qui, dans les marges des colonies, c'est-à-dire dans les forêts, les marécages, les mornes, par exemple comme à La Réunion, dans les cirques, les endroits inaccessibles, vous voyez bien qu'à La Réunion, il y a une géographie des noms, hein. C'est catholique, les côtes, Saint-Ceci, Saint-Cela, Saint-Denis, Saint-Leu, enfin, Saint-Pierre, Saint-Leu, etc. Il y a tous les saints. Et à l'intérieur, c'est malgache, c'est bantou, parce que c'est justement... c'est les noms ont été donnés par les marrons. Et il y a eu de vraies communautés marronnes. Donc, ce marronnage-là, que j'appelle le marronnage de sécession, ou la sécession marronne, c'est un marronnage où dans le repli, dans le mouvement de repli, on va développer... On va déplier des espaces de vie, des espaces. On va développer une vie complètement inédite et qui va remettre en question le système. C'est-à-dire que ces communautés, elles vont pas se contenter d'être furtives, de se cacher. Elles vont aussi attaquer les plantations. C'est le corps de l'esclave. Si le corps part, c'est le système lui-même qui est liquidé. Il fuit, vous comprenez ? Ça fuit de toutes parts. Donc marronner, même si on ne fait que faire ça individuellement, se cacher et ne pas, si on ne crée pas une communauté marronne, même le fait de fuir, vous faites déjà un acte de sabotage. La désertion est déjà un acte de sabotage, c'est déjà une résistance. Parce que vous faites perdre son capital et sa force de travail... aux colons, aux planteurs. Vous voyez, donc c'est actif. Faut aussi changer la conception de la fuite. Fuir, c'est aussi faire fuir un système. C'est aussi infiltrer. Vous voyez, donc Et c'est aussi la force du faible. C'est-à-dire la guérilla, c'est pas une guerre de face à face. Quand on est trop faible face à des corps d'armée qui ont des canons, des fusils, etc., ce serait stupide d'affronter un terrain découvert. Donc c'est une guerre de harcèlement, il y a des esquives, on crée des pièges, on fait des guet-apens, on se cache dans les marais, on les entraîne dans des endroits où ils vont s'embourber, et là on les rate pas, enfin c'est tout un art de la guérilla en fait, qui préfigure les mouvements de libération contemporains.
cet envahissement par RTE, par les promoteurs éoliens. Je suis directement concerné. 5 hectares de terre qui vont nous être pris. On est déjà en procédure d'expropriation. Ça fait mal, quoi. Ça fait chier. Mais c'est pas ça mon sentiment le plus. C'est pas ça qui me tue le plus, quoi. C'est vraiment de voir ces projets éoliens qu'on nous pond devant la gueule et toutes les infrastructures qui vont avec et le mépris des gens qui habitent ici et tout ça, quoi. L'expropriation, qu'est-ce que ça... Bah, l'expropriation, c'est une chose. Ça va pas nous empêcher de continuer à faire notre boulot, mais c'est juste que de voir des bulldozers dans l'endroit où tu cultivais la terre, où tu sais que tes arrière-grands-parents ont commencé à cultiver ces terres-là, ben moi ça va me donner envie de vomir, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit il faut faire quelque chose, parce que si on se réveille dans 10 ans avec tout ça devant le nez et qu'on n'a rien fait, ben je le vivrai pas, quoi. Avec une opposition qui s'organise, il y a une manif aujourd'hui. Ouais, grosse manif. Bon, le temps n'est pas trop de la partie, il y a de la neige un peu partout. Il faut espérer que quand même les gens aient pris conscience de l'enjeu de la manif, qu'on arrive un peu dans une situation de fin, quoi, où la prochaine étape, c'est le début des travaux. Et on espère que les gens auront compris ce message-là, que les gens qui sont venus une fois, 10 fois, 100 fois, aujourd'hui soient là, quoi. Et on va faire entendre notre voix, et on va montrer à RTE et aux politiques qu'il y a quand même une partie de la population qui n'a pas envie de se laisser faire, quoi. Il y aura un tracteur dans la bagarre? Et ouais, il y a un tracteur. Faut montrer que les paysans sont de la partie, quoi. C'est important. En gros, moi, quand j'ai passé le bac, ou t'es encore avec tes potes d'enfance, tu vois, parce qu'ici, c'est ça, tu, de la maternelle à la terminale, t'es avec tes potes, quoi. Et du coup, les années après d'études supérieures, où tout le monde part de son côté et tout, là, c'est un peu là que moi, j'ai commencé à m'investir à la Massa, de tout ça, où on a construit la Massa et machin. Et là, quand moi, c'est là que j'ai entendu que les gens parlaient sur ma gueule, tu vois, que j'étais que con de faire ça, que machin et tout, et des potes avec qui t'as grandi, quoi, tu vois. Ça, je te garantis que ça fait mal, hein. Ça fout les boules. Et après, aussi, le milieu agricole, hein. Des gens que tu fréquentes comme ça, et que tout d'un coup, tu sais que tout le monde parle sur toi, que tu vois bien que t'es dévisagé chaque fois que tu rentres dans une réunion ou dans n'importe quoi. Et en fait, bon, moi, ça a été dur, pas au début, tu vois, mais... Maintenant, j'en ai strictement rien à foutre, parce que d'un autre côté, j'ai tissé d'autres réseaux de connaissances et il y a des gens qui sont devenus des copains après. Et là, c'est un bon moyen de voir les vrais amis, quoi. C'est trop bien. C'est vrai. Ouais. Bah après, il y a des jours où c'est chiant, je te cache pas, que te dire je vais pas aller dans tel bistrot parce que c'est sûr qu'il y aura un tel ou un tel et qu'il y a un chien, tu vois, qui vont te regarder de travers et que. Pff, du coup, tu fuis un peu tous ces milieux-là, quoi. Ouais, c'est vrai que du coup, comme on n'est pas beaucoup, voire on n'est que 2 ou 3 à vouloir prendre la parole à chaque fois avec les journalistes et tout ça, après, c'est un choix, quoi. Il y en a qui ont décidé de jamais se montrer, ce que je comprends complètement. Mais après, moi, qu'est-ce que j'ai à être, tu vois, qu'est-ce que j'ai à cacher ou quoi que ce soit, mais tout le monde me connaît. C'est affirmé, tout le monde sait que je suis le paysan concerné par l'expropriation et compagnie. Donc en fait, moi, que mon image elle soit partout, et c'est bon, c'est normal, quoi. C'est pas grave. Moi, depuis tout à l'heure, je te parle un peu des mauvais côtés, tout ça, mais après, il y a d'autres côtés chouettes aussi, où le fait que je suis dans le film et que je suis passé sur France 3, machin et compagnie, dans les journaux, d'un coup, t'as des gens que tu connais pas. Ou que tu connais mais que t'aurais pas dit qu'ils te soutenaient, tout ça d'un coup, mais qui se trouve dans des moments plus intimes comme ça à venir te taper sur l'épaule, à te dire ouais, c'est trop chouette, c'est ce que vous faites, hein, et moi tu comprends, je peux pas trop venir ou quoi, mais je soutiens et tout, ces trucs là ça donne un peu de baume au cœur aussi.
quelque part. Un chef victor. Voilà. Un chef victor de la prochaine. L'après-midi, non? Aujourd'hui, ça commence à 15h. Et vous êtes tous en vous savez pas que... Non, je savais pas, non. Vous savez, les choses, oui. Ouais. Si on le voit, vous êtes quelqu'un de régional. Vous êtes au courant de les médias? Oui, moi, oui. Vous êtes au courant, vous, monsieur? Oui, je suis au courant, oui. Par Facebook, est-ce que c'est Instagram. Bien, c'est pas bien? Mais qu'est-ce qui se dit dans les médias? Oui, mais si on supprime le courant, comment vous allez vous éclairer? Parce qu'on est contre très tout. Haute tension. On est contre tout, hein. Oui. On ne veut pas les éoliennes, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Hein. On ne veut pas le nucléaire. Hein. Vous trouvez ça joli, vous éoliennes? Oui. Hein? Pourquoi vous trouvez ça joli? Ça défigure la nature. Oui, non, ça défigure, mais c'est joli. Je sais pas. Moi, ça ne me plaît pas, ça. Non. Et c'est pas rentable. Non, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Hein. Les champs d'éoliennes, non. Et vous montez mais là-haut. Mais regardez là, on en a deux. C'est magnifique. Ah non, il n'y en a qu'une là. Il n'y en a qu'une là et de chez ma fille, il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Qu'est-ce qui vous plaît dans le... Bah, bon, si ça bien pouvait bien éviter le nucléaire, ce serait pas mal. Hein. Oui, mais c'est dangereux. Oui, moi ça ne me gêne pas. Avertir la population, enfin les propriétaires des champs, tout ça. Vous, monsieur, vous êtes neutre alors. Vous n'avez pas tellement de... Bon. Dans votre jeune âge, vous avez encore une opinion. Non. Les agriculteurs sont expropriés au nom de ce grand progrès. Oui, voilà, non, mais bon, de là à être d'accord à l'expropriation et tout ça, non, je suis pas d'accord. Mais il faudrait faire les choses comme il faut. C'est-à-dire? C'est compliqué. C'est-à-dire, oui, hein, c'est compliqué. C'est toute une histoire de sous, malheureusement. Il y en a qui trouvent leur compte. Il y a des agriculteurs qui trouvent leur compte aussi. Et oui, ça rapporte. Voilà, donc, ça rapporte. Moi, j'ai un champ là-bas à Belmont. Hein. Et bien, si on me met deux éoliennes, je ne dirais pas non. Parce que si ça me... En plus, ils payent voilà, bien. C'est ça. En plus, ils payent c'est malheureux. Bien. Ouais, oui. Ils payent bien. On vit que pour l'argent, c'est malheureux de le dire. Oui. Vous le aussi. Non, mais. Même vous. Non, mais. Moi, si on me donne. Je sais pas, moi. C'est malheureux aujourd'hui avoir bravé le froid. Oui, je dirais pas non. C'est malheureux de le dire, mais. C'est comme ça. Et et autres monumenteurs qui sèment la vie partout où ils passent. Paresse, paresse. Un monument sur l'enquête d'utilité publique. La revue de la Vassal a été construite. C'est un des grands seigneurs qui dit que c'est monté de l'enquête là, on l'empêchera. Je crois que nous regardons le résultat. 3 semaines après le début de l'enquête, il n'y avait pas une seule permanence de commissaire enquêteur qui a pu se tenir. Et ça, c'est nous qui savons. Les autres, ils sont venus à Saint-Victor. Qu'est-ce qu'ils ont vu à Saint-Victor? Ils ont vu beaucoup de banderoles dans le village. En s'approchant de la mairie, ils sont tombés sur quelques bols de paille, des tracteurs qui barraient l'accès. Ils ont surtout vu les habitants qui étaient ramassés là et qui leur hurlaient le slogan au visage, qui les ont accompagnés jusqu'à la sortie du. Alors que vous avez une d'honneur. Voilà comment ils sont arrivés à Saint-Victor. Le 16, ils sont revenus au coste de Gozon et là, ils ne se sont même pas approchés du village. Ils sont restés là-bas, au loin, au bout de la route, avec les filles. Et on leur tenait comme ça à nous dire ne revenez pas. Ne revenez pas. Ne revenez pas. Et tant que si bien que monsieur le préfet a revenu à dire ensemble, parce que quelques semaines après, il a pris une décision d'annuler absolument toutes les permanences qui étaient prévues dans le sud d'Aveyron. Et ça, c'est aussi une grande victoire pour nous. Parce que ça montre que la lutte sur le terrain, si elle est menée intelligemment, avec un peu de courage, un peu de détermination, on peut se donner une
qui a commencé à s'offrir ces dernières années entre les luttes qui se mènent dans les territoires de projets d'infrastructure viennent détruire ce qui se vit entre les gens et qui viennent détruire aussi les écosystèmes. Donc on est là aujourd'hui pour vous soutenir évidemment, et on est là aujourd'hui pour vous lire un texte qui est une déclaration commune qui a été écrite entre des acteurs de ces différentes luttes. Donc on souhaite vous le lire et on souhaite que le geste de venir aujourd'hui soit aussi une invitation à venir nous retrouver dans les différentes luttes. Donc aujourd'hui il y a des gens qui viennent du plateau de Mille Vaches, qui viennent entre une usine à tonneaux, des gens qui viennent de Herbeau, qui viennent entre le centre de Ferrac, des gens qui viennent de Bourg, qui luttent contre un projet de poubelle de déchets nucléaires, des gens qui viennent de Notre-Dame-de-Lande, des gens qui viennent également d'un quartier occupé à Dijon qui s'appelle Lantière. Et j'en passe, il y en a d'autres. Donc on va vous lire le texte et puis si vous voulez, vous pouvez aussi bien discuter avec moi après, ce sera possible. Déclaration commune d'habitantes des territoires en lutte face au sommet du climat du 12 décembre à Paris. Préparons-leur un hiver ardent. À même l'expérience sensible, la forêt n'est pas la forme vide, la surface continue, qu'il s'agirait de définir en termes d'étendue d'arbres, de ressources en biodiversité. Non, la forêt, c'est une manière de se tenir. Deleuze nous y pousse dans un beau passage de l'un de ses cours sur Spinoza. La question qu'il convient de poser à la forêt, comme à nous-mêmes, est celle-ci. Jusqu'où es-tu capable d'aller? Jusqu'où porteras-tu tes nouvelles pousses? Jusqu'où te propageras-tu? Non pas comme la question d'une limite géographique ou identitaire, mais comme celle d'une puissance qui grandit. La forêt est une limite dynamique, et non la limite contour d'où on ne sait quelle substance homogène. Elle n'a pas d'autre limite que sa propre puissance. Elle est affect, elle est action, elle déborde. Par elle, les corps se délestent de leurs attributs, deviennent légers, et y trouvent une détermination des plus bondissantes. En campagne, soyez rapide comme le vent, lorsque vous avancez par petites étapes, majestueux comme la forêt, dans l'incursion et le pillage, semblable au feu, à l'arrêt, inébranlable comme les montagnes. Aussi insondable que les nuages, déplacez-vous comme la foudre. Là, la lutte n'est plus cet instant séparé de la vie. Elle est la réarticulation des actes et des idées, le réagencement entre moi et le monde. Quelque chose comme un devenir élémentaire. Les luttes de notre temps touchent juste lorsque cette tension entre les différents attachements au monde et les différentes manières de les défendre s'exprime d'un seul geste. Et s'il existe bien une guerre aux vivants menée par l'économie, c'est au niveau de la déchirure de cette tension existentielle qu'elle se mène. Et c'est de là qu'elle tire sa force de neutralisation et de mutilation. D'avoir un peu avoir défriché pour restaurer des terrasses, de m'être un peu coltiné à la réalité de ce que c'était qu'une forêt, quoi. D'accord. Et puis en fait, petit à petit, avec cette histoire de centrale à biomasse à Gardanne, près de Marseille, il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à vouloir réfléchir sur cette idée-là, quoi, en fait, de qu'est-ce qui nous arrive sur le coin de la gueule en termes de transition énergétique, de mix énergétique, comme ils disent. Et du coup, ce projet de prédation sur la forêt, c'était un peu le départ de plein de pistes de réflexion qu'ont eu pas mal de collectifs, quoi, autour... C'est quoi l'imaginaire de la forêt qui est lié à ça? C'est quoi la culture de la forêt? Comment on pourrait gérer la forêt différemment? Est-ce qu'il faut la gérer, la forêt? Est-ce que c'est pas un espace qui mérite à rester sauvage ou une autre forme de redéploiement, quoi? Et du coup, y a un collectif qui s'est monté, un collectif d'opposants à ce projet. Et d'autre part, il y a eu, avec une bande d'amis, la tentative de d'écrire une revue, en fait, qui s'appelle toujours Bog, et où on a commencé à, comme je te disais, à vraiment réfléchir ce que signifie la forêt dans toutes ses dimensions, quoi, à la fois culturelle,
en termes d'économie locale, en termes d'histoire, en termes de... aussi l'histoire des luttes passées. Dans les Cévennes, il y a quand même quelque chose qui est hyper important pour les protestants, c'est la guerre des Camisards, quoi. Au début du XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui reste encore dans les mémoires et c'est hyper important pour les gens. Et du coup, on essaie un peu de lister tout ça et de d'en faire un peu une espèce d'enquête, quoi, de contre-enquête, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais, et du coup, voilà, ça a pris un peu... une certaine ampleur, et petit à petit, avec les textes, etc., ben, je me suis dit que ça méritait quand même un peu plus d'approfondissement, et ça a donné un bouquin, quoi. Okay. Mais au départ, c'est vrai que l'idée, il y a pas mal de concepts et de réflexions qui viennent de la revue. J'avais bien l'idée de faire des allers-retours entre le passé et le présent, quoi. Dans l'idée, il y a pas mal de gens qui disent ça, le passé ne passe pas, en fait. Mmh. Du coup, ce qui nourrit aussi nos imaginaires, c'est pas simplement... enfin, c'est surtout pas ce n'est pas que les luttes actuelles, c'est ce va-et-vient, cet aller-retour entre des luttes passées et des luttes actuelles. Je pense qu'aujourd'hui, tous les lieux sont propices à la résistance. Enfin, tu vois, ce qui s'est passé autour des mouvements contre la loi travail ou le printemps arabe, etc. Enfin, moi, j'avais pas envie de penser la forêt comme un lieu privilégié dans un dehors absolu, quoi. Ce que j'aimais bien, c'est la tension entre la forêt comme imaginaire d'un dehors, en effet rejoignable, qui brasse encore des désirs et des volontés à la fois de fuite mais aussi de résistance. Mais c'est pas un endroit à mythifier, quoi. Je veux dire, c'était pas l'idée de penser la forêt comme ce qu'il faut défendre, ce qu'il faut préserver, de là où doit partir la lutte ou l'insurrection. C'est évident, ça serait absurde. D'accord. Tu veux pas essentialiser la forêt? Oui, voilà, c'est pas une question de substance, quoi. C'est une question de rapport au monde, en fait. De sensibilité que tu pourrais avoir à une chose qui est habitée, quoi. Et du coup, c'était un peu... Enfin, je trouve que quand tu rentres dans une forêt, il y a un peu ce truc-là d'une forme de présence, quoi. Surtout si c'est une forêt habitée ou si c'est une forêt qui est en lutte. C'est des camarades qui tiennent des barricades dans une forêt... t'as une espèce de sensibilité comme ça qui peut être commune à la fois à une émeute dans un quartier, à un blocage sur une autoroute. Enfin, t'as une espèce d'émulation comme ça d'une présence qui est enfin là, quoi. J'ai l'impression que ce truc de pourquoi est-ce qu'on défend aujourd'hui les forêts comme on défend d'autres zones d'ailleurs, hein. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas que de la forêt, c'est des bocages qui ont aussi leur propre histoire de l'aménagement. C'est pas une zone purement naturelle. Tu vois, c'est comme il explique bien là, les copains à la ZAD, ils disent le bocage, ça a été aménagé. Une manière de aussi séparer les terrains, etc. Pourtant, c'est ça qu'ils défendent. Ils ne défendent pas l'histoire de cet aménagement-là, ils défendent ce que eux, sur ce territoire-là, ils ont commencé à inventer, à composer, à bricoler. Et du coup, j'ai l'impression que la forêt, c'est ça aussi, c'est ce qu'on y fait, ce qu'on y bricole dans le sens. Pas, évidemment pas du bricolage, mais dans le sens d'une composition commune de ce qu'on fait ensemble, quoi, de gestes. Et du coup, c'est d'abord ça qu'on défend, quoi, cette composition commune est située. Et du coup, voilà, c'est cette idée-là d'ancrage, quoi, être là. D'accord. Et j'ai l'impression que par rapport à cette espèce de crise de la présence généralisée en Occident, il y a des lieux qui encore produisent cette sensation, ce sentiment à la fois affectif et éminemment politique d'être là. Et bon, comme je disais, ouais, je trouve que ça peut être expérimenté à la fois dans une émeute, comme dans un blocage de chantier éolien ou sur une barricade à Bure. Ouais. Simplement, je me suis posé la question, enfin, quand même, si tu regardes bien toutes les luttes territoriales aujourd'hui, à chaque fois, tu as quand même la question de la forêt qui est éminemment présente. Là, sur le plateau, c'est l'usine Appelée maintenant, tu vois, sur lequel ils vont devoir lutter. À Bure, c'est ils défendent un bois communal, toi, qui ne paye pas de mine. Ils défendent ça, quoi. Parce qu'autour, c'est le désert, autour, c'est le désastre. Et, c'est ça qui reste, quoi. C'est ça qui reste aussi de mémoire collective,
d'usage, d'imaginaire, d'autre chose en fait. Dans les Cévennes, c'est aussi la question de la forêt. Mais ici, on n'avait pas tellement, parce que ça fait longtemps que la forêt a été éradiquée. Mais je pense que voilà, on pourrait dire qu'il y a des devenirs forêts dans les luttes actuelles, quoi. Même si, voilà, comme tu dis, il ne s'agit pas d'essentialiser la forêt comme enjeu de l'insurrection, tout simplement. Je pense que la question du commun, oui, évidemment. Mais c'est pas quelque chose de donné, quoi. C'est toujours quelque chose qu'on est en train de se donner dans la situation. Là, des terres, en l'occurrence, sur la plaine à Saint-Victor, c'est des terres privées. Et c'est parce qu'on a eu la chance que Victor était disposé à communaliser une partie des terres autour de la Massade, que la lutte elle a pu démarrer, en fait. J'ai l'impression que dans cet imaginaire du commun et de la commune, si on s'enrichit de cet imaginaire commun qui est passé, il faut toujours le rebricoler, le réagencer à l'aune du présent. Culture avec le quotidien complètement normé, à travers un simple réaménagement de son espace de travail à l'intérieur d'un bureau. Voilà, nous, peut-être ici, certaines personnes vivent ça, mais là, en l'occurrence, si on parle de territoire, je pense qu'il y a quand même un niveau, un autre niveau, quoi. Et du coup, moi, j'ai l'impression que, personnellement, moi, je l'ai vécu comme ça, quoi, de voir l'invasion éolienne comme une colonisation, non pas simplement d'un monde extérieur, lointain, qui venait agresser une entité territoriale plus ou moins abstraite, quoi, l'Aveyron, je ne sais pas ce que c'est l'Aveyron. Mais dans ma chair, moi j'ai senti une agression. Dans ma chair, j'ai senti que mon rapport à ces crêtes, à ces montagnes ou à ces forêts, il était modifié radicalement, quoi, et que ça posait la question d'une réaction, non, pas justement une réaction, que ça posait la question d'une mise en branle, d'une hostilité différente, quoi. Que ça venait comme comme une forme de colonisation radicale, quoi. Parce que voilà, je peux sentir quand je vais en ville que je vois le mode de vie métropolitain, c'est le même type d'agression, quoi, un truc dont tu te sens étranger et à la fois dont tu fais partie, quoi. Mais moi, ouais, voilà, juste pour dire, je pense que ça se pense pas en termes de réaction. Enfin, les luttes territoriales, faut pas les penser en termes d'un territoire qui serait en latence, en sommeil, et puis tout d'un coup réveille son histoire ou ses potentialités qui étaient juste enfouies à travers des tonnes et des tonnes de siècles de colonisation. C'est quelque chose qui se redéploie dans le présent avec les forces qui sont en présence là. Je pense que même des aborigènes qui aujourd'hui lutteraient contre, je sais pas moi, une mine, un projet d'extraction minière, ils penseraient leur manière d'être à ce projet, la façon dont ils vont le combattre, avec leur tradition évidemment, leur tradition ancestrale, et aussi avec tout ce que des gens extérieurs qui viendraient les aider, avec une perception qu'ils ont aussi du monde. Et voilà, c'est pas. Enfin, le territoire, c'est pas quelque chose de figé, quoi. Le territoire, c'est quelque chose qui se crée dans une situation bien concrète, avec une idée, une certaine idée du monde, quoi. Et même au niveau agronomique, tu vois, c'est intéressant, tous les gars qui commencent à un peu bosser sur la question des sols vivants, etc. Ils voient que si tu laisses une terre tranquille, quoi, si tu arrêtes de la labourer, etc., d'emblée, ça va se recoloniser, ça va être recouvert, quoi. En fait, le sol n'aime pas être découvert, quoi. Enfin, sauf dans un désert. Et un désert, il est aussi recouvert par autre chose. Puis il y a des hommes qui y habitent, etc. Voilà, une terre, si tu vois qu'il laboure systématiquement, une terre à nu, en fait, c'est une terre qui est morte, quoi.
justement dans l'idée de forêt, c'est le déploiement, quoi. C'est une force qui est obligée de s'élargir, quoi. C'est une idée de puissance, quoi, en fait, de la forêt. C'est pas... Deleuze, il apprend différemment. Il dit, voilà, l'idée de l'arbre, c'est en effet la ramification, c'est la hiérarchie. Tous les systèmes de parenté utilisent le modèle de l'arbre, des racines jusqu'aux branches. C'était son idée à lui. D'une certaine manière, qu'il opposait au rhizome horizontal, etc. Après, je pense que tous les travaux en biologie aujourd'hui montrent que la forêt, elle contredit ce modèle-là, quoi. La forêt, justement, elle se déploie presque comme un rhizome, avec tous les êtres vivants qui la composent. Une espèce de prolifération de formes de vie qui est à l'intérieur d'une forêt. Tu ne peux pas la penser comme un système binaire, purement ancré, quoi, qui ferait qu'un arbre comme individu, plus un autre arbre comme individu, etc., etc., crée une forêt. Une forêt, c'est d'emblée quelque chose, c'est d'emblée un monde qui qui certes est autosuffisant, mais qui en même temps est capable de se déployer. D'ailleurs, si tu laisserais la forêt entre guillemets tranquille, elle recoloniserait par exemple les champs, quelque chose qui appelle à tout le temps recouvrir les espaces, quoi, en fait. La forêt jardinée, c'est une idée ancienne, c'est pas quelque chose que Jacques Colbert voulait éradiquer, en fait. C'est la forêt jardinée par les paysans. Et du coup, c'était une forêt qui n'était pas sauvage, en fait. C'était une forêt où les paysans allaient avec leurs troupeaux, ils les faisaient paître, ils les faisaient manger des glands, ils allaient ramasser le bois, ils allaient couper du bois. C'est une forêt qui était entretenue, d'une certaine manière. Et je pense que là, pour le coup, c'est plus dans une optique de soins et d'attention, même si c'est vrai qu'il y a eu des fortes pressions à certaines époques historiques des paysans sur la forêt. Mais c'était pas justement un aménagement extérieur vu en fonction d'un plan économique bien précis. Colbert, ce qu'il voulait, c'était aménager la forêt pour construire des bateaux de la marine de guerre, quoi. C'était clairement ça. Il y avait un peu deux... il y avait plusieurs entités qui se croisaient, mais en effet, d'une partie, les chasses gardées pour le roi, et des forêts aménagées pour le bois de marine, avec des bois sélectionnés, bien particuliers, pour la construction des navires, quoi. Et évidemment, la forêt jardinée telle qu'elle était pratiquée par les paysans, ben, elle ne rentrait pas dans ce plan-là, quoi. Elle ne rentrait pas dans le plan colbertiste, quoi, ou royal. La guerre en fait des demoiselles, elle est née de là, quoi. Du refus par les paysans, les montagnards, de cet arraisonnement, de cette mise en aménagement de la forêt. La guerre des demoiselles, en Ariège, est un point culminant de joie armée autour de 1830. Curieuse révolte mêlant lutte sociale et tradition folklorique. Elle fut nommée ainsi parce que les montagnards avaient l'habitude de se déguiser en femmes. Nous, montagnards des hautes vallées de l'Ariège, sommes maîtres de notre montagne comme l'aigle de son nid, l'isard de ses cornes, le torrent de ses cailloux. C'est notre droit naturel. Toute forêt, quel qu'en soit le propriétaire, est à nous. Il y a eu dans ce pays-ci des seigneurs terribles qui ne plaisantaient pas avec les paysans. Eh bien tous, jusqu'à celui de Foix, tous ont reconnu que nous étions les maîtres dans nos vallées. Et ces seigneurs-là, ce n'étaient pas des gens comme le préfet de l'Ariège, comme tous ceux qui, à Paris, derrière leur bureau, prétendent s'occuper de la qualité de notre vie. Qui maintenant, du fond de leur fauteuil, viennent d'avoir l'idée de protéger la forêt et le pâturage contre les usagers de la montagne, contre nous. Ce travestissement avait évidemment pour fonction de se cacher des gardes et des soldats, mais aussi rentrer dans une logique carnavalesque. Lorsque des inspecteurs des eaux et forêts et leurs gardes s'apprêtaient à réquisitionner les troupeaux des bergers qui les laissaient paître illégalement dans les forêts, on voyait se rameuter des dizaines de paysans déguisés en demoiselles pour faire face aux gardes de l'État.
les faisant fuir à coups de gourdins, de faux, de fusils. La guerre des demoiselles se propage comme une traînée de poudre. À son apogée en 1831, le mouvement compte plus de 8000 révoltés organisés en petits groupes mobiles. À l'époque, les paysans refusaient tout autant la mise hors d'usage des bois communaux par les forestiers que la mise en ordre de la forêt comme espace quadrillé et aménagé. Cet aménagement était l'ennemi du jeu d'hybridation que la forêt permettait et qu'illustraient les masques de femmes, fées, animaux dont se servaient les insurgés au moment des fêtes populaires et des périodes de carnaval qui rythmaient la vie des villages. Créant une inséparation de fait entre les rituels, la révolte, les usages coutumiers. Ces demoiselles auront su mettre en déroute pendant presque un demi-siècle et les gardes forestiers et tout un discours rationnel sur la forêt comme ressource à maîtriser et à extraire. La question était pour eux de préserver les liens magiques, de connivence qui les rattachaient à la forêt, à sa culture, à ses usages, de ne pas les laisser se transformer en un tableau de calcul sylvicole, en une connaissance purement scientifique, de ne pas voir leur monde se faire à raisonner. Et en fait, ils ne pouvaient plus y aller. Les gardes étaient là à patrouiller pour interdire les paysans d'emmener leurs troupeaux pâturer dans les forêts. Du coup, c'est aussi une autre idée qu'on a, nous, de la forêt comme espace sauvage, en fait. C'était pas la forêt du Moyen-Âge, c'était pas un espace... C'était pas qu'un espace sauvage. Il y avait une frontière plutôt floue, hybride entre le champ, la lisière, la forêt profonde, puis c'était tout un imaginaire aussi, quoi. Mais il y avait une zone qui était complètement parcourue de manière quotidienne, en fait. Entre les paysans, les champs, les agriculteurs, enfin, il y avait un truc de... d'opacité aussi. Ouais. Qu'on se cachait dans les forêts. Mais à l'heure des drones thermaux, est-ce qu'on peut encore se cacher dans les forêts? C'est la question. Donc on dirait que la forêt, en tant que vecteur d'imaginaire puissant, est caduque. Ouais. À l'ère de la chasse à l'homme. Tout ça pose vraiment une idéologie du contrôle absolu des manières d'être. Et en plus, avec tout un truc, un discours sur justement le rapport au passé, les camisards, et que vu que c'est un truc culturel, avec le parc s'est dit voilà, que c'était un parc naturel et culturel, il joue un peu sur cette fibre-là de résistance, quoi, tu vois, qui préserve aussi un passé de résistance. Parce que juste, ils le mettent sous cloche et sous musée. Mais ça reste un dispositif. Hyper puissant, quoi. C'est une interface, en fait. C'est une interface de gestion entre les habitants et un pouvoir administratif beaucoup plus large. Et eux-mêmes sont une interface avec, par exemple, des entreprises comme E.ON. Ils ont signé un protocole de travail pour l'exploitation de la forêt Cévenole par l'entreprise pour le bois énergie. Donc c'est complètement absurde, enfin c'est... Ouais, donc ça se ressent jour le jour, cette mise sous cloche. Ouais. Ça bricole par ailleurs, hein, partout, ça déraille. Mais le cadre, c'est celui-là. Je pense qu'il faut réinventer nos propres techniques, quoi. Moi j'aime bien un peu comment... Jacques Ellul ou Mumford, il parlait des techniques, quoi, comme quelque chose de réappropriable. Enfin, tu vois, c'est toujours lié à des situations singulières, une technique. Une technique en pierre sèche ici n'est pas la même qu'une technique en pierre sèche ailleurs, où les manières de faire diffèrent d'un artisan à un autre. Alors que la pose du parpaing, on va dire, et homogène partout. En tout cas, peut-être pas la pose, hein, pas jusque-là, mais en tout cas la fabrication du parpaing
était standardisé d'ici jusqu'à l'Arabie Saoudite, quoi. Et du coup, il ne s'agit pas de repousser, de se séparer de la technique comme un truc, le mal absolu, la force prométhéenne qui a détruit la nature, ou je sais pas, un truc un peu heideggerien comme ça. Dire non, en fait, technique, c'est quelque chose qui fait partie d'un monde, mais un monde singulier. Alors qu'une technologie, c'est la mainmise d'un certain système sur les techniques et de comment il réagence toutes les techniques et il en fait un système de technique, quoi, un système de système. Et du coup, c'est une espèce de conglomérat de réagencement, de particularités sous un unique... Ouais, sous un unique moule, quoi, si on pourrait dire. Et du coup, je pense, l'ingénieur serait plutôt du côté de la technologie, d'un système pensé depuis l'économie, depuis le plan, depuis une certaine idée de l'aménagement du territoire, etc. Alors que les techniques, si on les pense de manière radicale et depuis une situation concrète, c'est toujours quelque chose d'hétérogène. C'est toujours quelque chose qui est à composer, à penser... Et comme tu dis, oui, ça pourrait être du bricolage. Enfin, c'est quelque chose qui se... Ouvert aussi. Ouvert, ouais, voilà. Qui se bidouille, qui se pense, qui se... Et du coup, en effet, oui, pourquoi pas bricoler les forêts ou bricoler nos habitats, c'est évident. De trouver les brèches, de trouver les lignes de fuite, de trouver des manières de faire avec ou contre. Ça dépend un peu de la situation, quoi. Mais, là, c'est sûr, avec des éoliennes, on ne peut pas bricoler. On ne peut pas faire avec. On ne peut pas aller chercher des câbles, les brancher et faire marcher une ampoule à la maison, quoi. Et d'ailleurs, avec les compteurs Linky, ça sera plus possible hein, de chanter, de finir couper, enfin de bidouiller avec les lecs des compteurs, quoi. C'est ça aussi, en fait. L'idée de complètement verrouiller... toute porte de sortie ou toute forme de d'autoréduction quoi en fait. Il paraît que tu peux les hacker, quoi, vu que c'est complètement interconnecté. Mais bon, ça place de nouveau le terrain de lutte sur la cybernétique, quoi, une espèce de spécialisation. Tout le côté mécanique, il disparaît complètement, quoi, comme bientôt les voitures, où tu ne pourras plus réparer toi-même. Il n'y a plus de mécanique. Il y aura un peu de mécanique et beaucoup, beaucoup d'électronique. Parce qu'évidemment, c'est d'emblée un système technologique qui ne peut pas être réappropriable, pas très approprié le réseau de RTE. Il y a une forme d'insurrection, je pense pas que... Enfin, ou alors des ingénieurs seraient avec nous, ou parmi nous on deviendrait ingénieur, mais
Je pense pas que ça soit la priorité de maintenir un réseau international d'électricité après une insurrection, par exemple. Je sais pas. Peut-être. Tout ça et là, c'est un peu comment ça fonctionne. Effectivement, les ingénieurs sont avec nous dans la phase de transition vers le communisme. Ouais. C'est ça. Ben, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est pas de se couper de ce milieu-là non plus, de se dire, voilà, non, on peut pas penser les techniques, tu vois, un peu dans une mouvance anti-industrielle ou quoi, qui ouais. utilise beaucoup le terme technique comme un ouais, terme pas mauvais. Ouais, voilà, c'est ça. De moins en moins, les lignes elles commencent à bouger aussi de ce côté-là, mais justement, il pensait un peu métaphysique de Heidegger, comme ça, qui a été... diffusé à travers les milieux post-Ellul, Charbonneau et tout, très humaniste, très l'homme avec un grand H face à la technique avec un grand T. Mm. Je pense que c'est plus ça dont il s'agit aujourd'hui, quoi. C'est de... Et même au niveau technologique, il y a aussi des technologies qu'il faut connaître. Un ordinateur, c'est une technologie. C'est... Après, tu peux avoir un rapport technique à une technologie si tu commences à bidouiller toi-même, à utiliser des processus. D'anonymisation comme Tor ou Tails, tu commences à avoir un rapport technique à ces technologies-là, quoi. Mais voilà, c'est quand même des questions qui sont d'abord politiques, quoi, avant d'être des questions de technique, quoi. Je pense que c'est un peu pareil pour la forêt, en fait. Je pense que les gens qui font de la forêt jardinée, ils ont un rapport technique à la forêt. Mmh. Mais c'est pas un rapport technique dans le sens... avec un grand T ou de la technologie, ou un technicien ou d'ingénieur, c'est un rapport d'une forme de vie qui interagit entre des outils, un cheval de débardage, un bûcheron, une communauté, une commune, un territoire, des besoins, un charpentier, une maison collective, et peut-être une charpente qui va aller, qui sera construite pour aller pour être posé sur une ZAD. Ben voilà, c'est ça, la technique, ça pourrait être ça, c'est tout cet ensemble hétérogène et pourtant composé qui fait que à un endroit précis, à une situation précise, on va se donner les moyens de construire une charpente ensemble, quoi. Mais sans débardeur 14 tonnes et sans abatteuse groupeuse, tu vois. Okay. De 250 chevaux, retour à la terre, c'est pas ça, mais dans le sens de qu'est-ce qu'on est prêt à composer avec des non-humains et qu'est-ce qu'on est prêt à défendre sur des territoires, et que là il y a quand même quelque chose, un décalage depuis 10 ans qui est en train de se faire, qui est quand même hyper intéressant, quoi. Et que ce truc de territoire, enfin voilà, c'est, je pense que c'est plutôt dans cette direction-là de politique terrestre, si on pourrait dire ça au pluriel, qu'il faut aller plutôt que de territoire. À conserver, à protéger, à garder, enfin, c'est pas intéressant. Et lutte territoriale, il ne faudrait pas que ça devienne justement un objet d'étude, comme on parlait ce matin, sociologique, où on pourrait dire, ouais, on est passé des luttes sociales, prolétaires, ou je sais pas quoi, à des luttes territoriales, et on se retrouve de nouveau dans un bloc, tu vois, bien dur, bien occidental, lutte territoriale contre l'aménagement du territoire, enfin, c'est pas ça non plus. Si on n'arrive pas à repenser le monde à l'intérieur de ces luttes-là, et depuis nos territoires, on sera aussi perdu. On aura beaucoup d'essentiel qui est, je pense, d'aller vers ce truc de recomposition de, avec les techniques, avec les gestes, avec les humains, les non-humains. Enfin, il y a autre chose à penser, quoi, que les luttes du présent, elles tapent fort à ces endroits-là, quoi. Là où les gens, ils pensent ces choses-là, quoi. Ils pensent tout ça, comme tu dis. Ouais, je pense qu'il faut pas. C'est pas un objet essentialisé, quoi. C'est un truc opératoire. C'est ça pourrait être, je sais pas, pour un atelier de construction de bateaux, l'imaginaire des pirates. J'en sais rien. Enfin, tu vois. Moi, c'était cet imaginaire-là des forêts qui me faisait triper. Parce que c'est là où j'ai fait un peu mes armes au niveau, je sais pas, juste matériel, savoir tronçonner, savoir déraciner, savoir reconstruire des murs. Regarde là, par exemple, si tu
dans le RAF, là, le réseau des alternatives forestières qui essaie vraiment de penser le truc de forêt jardinée. Ils ont un rapport avec le cheval, tu vois, absolument dingue. Quoi, c'est... Et là, pour le coup, c'est en effet un rapport avec un non-humain, tu vois, qui fait partie du dispositif technique. Sans le cheval, tu ne peux pas aller débarder une grume qui fait une tonne ou deux tonnes, quoi. Et du coup, il y a aussi un rapport à l'élevage, un rapport quotidien avec un animal. Enfin, ce qui est évidemment pas la même chose avec une abatteuse groupeuse, tu vois, où il suffit juste de mettre de l'essence dedans, enfin, tu vois. Donc en effet, oui, il y a une composition humain-non-humain à l'intérieur de cette technique-là. D'accord. Et c'est, je pense, c'est ça qui est hyper intéressant comme genre de d'entreprise, de manière de voir les choses. Quoi. D'accord. Et si on va vers là, je pense que c'est déjà pas mal. Quoi, de... À se radicaliser, admirer le capital, pour lui c'est un festin. Il investit dans le béton qui ne fait qu'infester les terres et qui s'étend largement. Ainsi tous les 7 ans l'équivalent d'un département disparaît sous des parkings, des voies ferrées, des interparcs et des aéroports. Mais un espoir est né autour des marécages, le vent, les barricades, et que l'état dégage, car la ZAD vibra. Ces sales paves parlent de djihadisme vert, on dilapide aux machines de guerre. Kaya Wakba planque les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, on renverse son âme. Kaya Wakba, orbiez son rêve et radar. En transition car votre monde est un cadavre. Planque les machines, les djihadistes verts sont là. L'industrie assassine, on renverse son âme. Kaya Wakba, orbiez son rêve et radar. En transition car votre monde est un cadavre. J'lâche un freestyle en zone humide, à la gloire des marécages, à la faune et à la flore de nos vies, que c'est parigage. Résistance et sabotage, des maquis au bocage. Vos belles cages de béton nous tiennent toujours en otage. Moi j'ai grandi en zone urbaine et mes poumons sont pleins de crasse. Je ne respire plus que vos excès, citadins de masse. À la place de vos parcs, éco-responsables que l'on brûlera, on mettra quelque chose de plus indispensable. Voilà la question sensible qui doit se poser pour qui le monde importe. C'est celle de nos attachements, de ce que nous avons à défendre. Nous avons pris ici la forêt comme point de départ, parce que c'est cela que nous vivons personnellement. Mais chacun, chaque groupe, doit partir de sa situation singulière. Ce n'est que depuis ces situations singulières que les relations peuvent se vivre de façon commune, et non depuis une position politique préétablie depuis toujours. Le temps est venu de ne plus répondre à la guerre en cours par la constitution d'une légitimité universelle, mais par un autre plan de perception. Comment habiter un monde ? Comment en prendre soin ? Comment être attaché à des espaces tout en se propageant plus loin ? Comment raisonner ailleurs ? Ce sont des questions aussi urgentes que fondamentales. Contre une forme de prédation totale du monde au nom du maintien d'un néant existentiel, contre ce vide, que sommes-nous prêts à faire pour ce à quoi nous tenons ? Voilà la réponse digne d'un dirigeant hachoir au capitaine de police lui annonçant avoir reçu l'ordre d'ouvrir le feu lors du blocage des installations d'une entreprise pétrolière argentine plus pétrole. Si vous ouvrez le feu sur nous, nous n'allons pas vous regarder tuer notre famille les bras croisés. Donc ici, nous nous entretuerons. Et je vous dis ceci, à vous. Je défends la vie de ma famille, la santé de mes gens, votre père-mère, mais vous, quelle sera votre raison de mourir ? Non, mais je peux tout refaire.